Bonjour. La leçon d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude des groupements caractéristiques en chimie organique. On a vu que les molécules des composés organiques sont constituées du carbone et hydrogène essentiellement, car des hydrocarbures. Mais parfois, on trouve d'autres éléments chimiques comme l'oxygène, l'azote, le chlore, etc. Lorsque ces atomes autres que l'hydrogène et le carbone sont présents dans la molécule, on dit qu'il y a groupement caractéristique. La réactivité de ces composés organiques est beaucoup liée à ce groupement fonctionnel présent dans la molécule. On verra qu'il y a donc des familles en fonction de groupements caractéristiques, la réactivité varie. Notre but aussi dans cette science, c'est de savoir les formules de ces groupements caractéristiques et nommer les composés organiques ayant des groupements caractéristiques d'une manière systématique. Il se base d'ailleurs sur la nomenclature des alcanes à chaînes ramifiées. Allez, on commence. Groupement caractéristique en chimie organique. Les amines. Le groupement caractéristique amine. Les amines sont des composés organiques qui portent le groupement caractéristique NH2. Pourquoi d'ailleurs NH2 tiré? Vous savez que l'azote est trivalent. C'est-à-dire, ce trait-là, il sera lié à la chaîne par ce trait. Il y a déjà deux hydrogènes plus une troisième liaison, mais qui sera fixée à la chaîne carbone. NH2 s'appelle groupement caractéristique amine. Voilà un exemple. Vous voyez ici en bleu, c'est l'azote. Ici, c'est l'hydrogène, hydrogène. CH3, CH2, NH2. Ça, c'est un modèle éclaté d'une amine. La formule générale des amines est RNH2 avec R radical alkyl. NH2, c'est le groupement amine. On va voir comment caractérisent les amines. Les amines sont des solutions, des espèces chimiques basiques. Leurs solutions sont basiques, c'est-à-dire un pH supérieur à 7. Donc, vous allez écrire le caractère basique des amines. Les solutions aqueuses des amines sont basiques, pH supérieur à 7. On va voir les trois classes d'amines. Vous voyez ici, c'est NH3. Attention, NH3. Ça, toutes les amines découlent de cette dérive, de cette formule. Il suffit de changer un hydrogène ou bien deux ou tous les trois avec les radicaux libres pour obtenir la formule des amines. Ça, c'est un exemple. On a changé un hydrogène, mais les deux hydrogènes ne sont pas changés. On obtient ici un radical R. Et on écrira RNH2 parce qu'à l'extrémité, il y a l'azote et NH2. Autre exemple, ici, on a changé deux radicaux. Voilà R1, voilà R2. R1, R2. Ils sont différents, liés à l'azote, liés à un seul hydrogène. Toujours, l'azote est trivalent. Ça, on peut l'appeler R1, NH, R2. Ça, je vais effacer ce que je viens d'écrire. C'est un autre exemple. Prenons le stylo jaune, par exemple. Ici, c'est l'azote. Ici, c'est R1. Ici, c'est R2. Ici, c'est R3. On peut écrire cette formule R1N, R2, R3. Voilà. Donc, vous allez écrire. La formule générale des amines s'obtient à partir de la formule de l'ammoniac NH3.
en remplaçant un ou deux ou trois atomes d'hydrogène par les radicaux alkyles. Les amines sont classées en amines primaires. Dans l'amine primaire, on a changé un seul hydrogène avec un seul radical. Ou amine secondaire lorsqu'il y a deux radicaux. C'est-à-dire, on a changé deux hydrogènes à deux radicaux. Et l'amine tertiaire lorsqu'il n'y a plus d'hydrogène. Tous les hydrogènes sont changés par des radicaux. R1, R2, R3. Nomenclature des amines. Nomenclature des amines primaires. Qu'est-ce que ça veut dire amine primaire? De la forme RNH2. Pour nommer une amine primaire RNH2, on écrit le nom du radical alkyl suivi de la terminaison amine. Exemple. CH3. NH2. Ça s'appelle méthylamine. On va voir qu'il y a une règle de nomenclature. Deuxième exemple, éthylamine. Il y a un radical de deux carbones. 1, 2. Donc, éthyl. Mais on ajoute le mot amine à la fin du mot. Voilà. Troisièmement, ça serait propylamine. Propyl parce qu'il y a trois carbones. 1, 2, 3. Nomenclature des amines secondaires et tertiaires. On appelle une amine secondaire ou tertiaire en écrivant le nom de l'amine primaire qui correspond à la plus longue chaîne. Attention, l'amine primaire qui correspond à la plus grande chaîne. Il y a trois radicaux ou deux radicaux au moins. On choisit le radical le plus long. Donc, à la plus longue chaîne carbonée et le nom des autres alkyles doivent être précédés de la lettre N pour dire qu'ils sont attachés à N. Ils n'ont pas une ramification sur le squelette carboné. Mais les autres alkyles attachés à N, c'est ça la signification d'être précédé de la lettre N. Exemple ici, vous voyez ici l'azote. Ça, c'est le radical le plus long, éthyl. Donc, on va appeler éthyl, ça c'est l'éthyl, ça c'est le méthyl. Mais la chaîne principale, c'est le plus long radical. On va l'appeler comme éthylamine. Mais on doit ajouter le fait d'existence de NH3 lié à l'azote. Finalement, ça va s'écrire et normalement en formule brute, semi-développée, et s'écrit CH3, N, H, C2H5. On va écrire éthylamine, mais précédé de N-méthyl. Les composés halogénés sont des composants ayant pour formule générale Rx avec X éthanalogène, c'est-à-dire un élément chimique appartenant à la septième colonne du tableau périodique des éléments, qui sont monovalents. Exemple, CH3Cl, c'est le chlorométhane, CH3CHBr, CH3, c'est le deboromopropane. On va voir comment on nomme les halogènes. Ça, par exemple, si on veut appeler ça, ça, vous avez 1, 2, 3, propane. Donc, chlorure de propyle, chlorure de propyle. Mais on peut l'appeler 1, 2, 3. Il faut numéroter à partir du chlore. Ça va être le 1 chloro. Le 1 chloro propane. Le 1 chloro propane. Ce qu'on va voir. Quelle différence y a-t-il ici? C'est que la position du chlore est en 2. Si vous numérotez 1, 2, 3, je prends le rouge. Ça va être toujours le 2-chloro-propane. Le 2-chloro-propane. On va voir. Voilà, c'est 1, 2, 3. Et voilà, c'est le 2-chloro-propane. Caractérisation des composés halogénés. Comment les identifier au laboratoire?
Les composés halogénés réagissent avec les ions d'argent, par exemple du nitrate d'argent, pour donner un précipité d'halogénure d'argent, suivant la réaction chimique d'équation. Rx, ça donne plus Hg+, solution aqueuse, ça donne un précipité. Ça, c'est un solide qui se précipite, il n'est pas soluble dans l'eau. Par exemple, lorsque vous ajoutez le nitrate d'argent, solution à un produit, s'il y a précipité, veut dire qu'il contient un halogène X. C'est lui qui donne le précipité. Les alcools, groupement caractéristique alcool. Les molécules d'alcool contiennent le groupement OH. OH, l'oxygène est bivalent. Il est lié déjà à H avec un groupement, la liaison ici sur la chaîne carbonée. Lié à la chaîne carbonée et qui s'appelle groupement fonctionnel ou groupement caractéristique alcool. Groupement caractéristique alcool. Voilà, par ici, si vous, je vais prendre le jaune, voilà OH. Attention, il y a ce carbone qui est lié à l'hydrogène. Il est lié de l'autre côté, le carbone à l'autre carbone. Il y a 1, 2, 3, 4. 4 carbones, mais le deuxième, il est lié au groupement OH. Donc, c'est un alcool. La formule générale des alcools est ROH, où R est un radical alkyle, où pour en détail, toujours, il ne faut pas y avoir ici double liaison. Toutes les liaisons du carbone fonctionnel, ça s'appelle le carbone fonctionnel, puisqu'il est lié au groupement caractéristique. R', c'est un radical. R, c'est R' plus C. Mais ici, on détaille la formule pour dire qu'il ne faut pas y avoir double liaison sur le carbone qui porte OH. Le carbone qui porte OH est tétravalent, mais il participe avec des liaisons simples pour s'appeler alcool. Sinon, c'est autre chose. Les trois types d'alcool, ou bien les trois classes. J'aimerais écrire trois classes d'alcool. Si vous regardez ici cet alcool, puis vous voyez OH, puis C, C et R. Dans le deuxième, ce n'est pas la même chose. Il y a ici un radical R1, ici un radical R2. C'est comme les amines. Il y a ici le carbone fonctionnel qui porte OH. Donc R1, R2. Les hydrogènes, l'un des deux hydrogènes est remplacé par R. Ainsi de suite, même chose pour celui-ci. Le carbone fonctionnel est là. Il est lié à O ici. Mais il y a R1, R2 et R3. Ça va s'écrire R1, R2, R3. Donc, il y a, le carbone ne porte pas d'hydrogène ici. Il y a trois radicaux plus OH. Le premier s'appelle alcool primaire, secondaire, puis le troisième, tertiaire. Alcool primaire, 1. Alcool secondaire, alcool tertiaire. Nomenclature des alcools. Le nom de l'alcool et le nom de l'alcane correspondant. Attention, l'alcane ici. En chaîne carbonée avec ajout de la terminaison ol, c'est-à-dire au lieu de an, on va écrire ol à la place de an. À la fin du nom, précédé du numéro indiquant la position du carbone fonctionnel portant OH sur la chaîne, c'est-à-dire on doit indiquer lequel des carbones porte la fonction ou le groupement caractéristique OH. On va, à partir de cet exemple, si on compte, je vais prendre le stylo rouge, il faut numéroter la chaîne à partir du groupement OH. 1, 2, 3. Donc, c'est le propane. Mais quel propane? Il faut ajouter OL. Donc, propanol. Mais il faut indiquer 1, puisque OH est lié à 1. Ça va être tout simplement propane-1OL. Par contre, le deuxième, voilà 1, 2, 3. Ça va être le propane de OL. En écriture de la formule semi-développée, on voit que vraiment OH est lié à 2. Donc, propane de OL. Le troisième, il faut compter la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4. Et ça, c'est le groupement méthyle. Ça va être méthyle ou bien 2-méthyle. 2-méthyle. De butane, 1, 2, 3, 4, donc butane, but de ol. On va éclaircir ça. La chaîne la plus longue d'abord, c'est ça, 1, 2, 3, 4.
Voilà la chaîne principale. Par contre, le CH3, c'est un groupement. Comment on s'appelle? On l'a dit. 2-méthylbutane-2-ol. Maintenant, comment on caractérise? Vous pouvez écrire caractérisation. Caractérisation des alcools. Vous savez qu'un alcool, en général, est incolore. Il suffit d'ajouter, surtout pour les alcools primaires et secondaires. On ne peut pas caractériser de cette méthode le tertiaire. Il suffit d'ajouter un peu de solution de permanganate de potassium de couleur violette. Si la couleur violette disparaît, cela veut dire tout simplement qu'il y a un alcool, primaire ou secondaire. Vous vous rappelez de la couleur de permanganate de potassium solution. Lorsqu'on verse dans l'alcool, ici l'alcool, alcool, mais attention, 1 ou 2. Ici, K+, plus, virgule, MnO4-. Solution violette des ions MnO4-. La couleur violette disparaît, ce qui indique la présence d'un alcool. Les composés carbonylés. Les composés carbonylés contiennent le groupement carbonyl C double liaison O. Et on distingue deux familles alliées d'isotones. Ces deux familles résultent de ce que SCO est à l'extrémité ou au milieu de la chaîne. C'est ça qui fait la différence. On verra ça par la suite. Les aldéhydes. Les molécules des aldéhydes contiennent le groupement CHO. D'après la formule générale des aldéhydes, le groupement caractéristique est toujours à l'extrémité de la chaîne carbonée. La nomenclature des aldéhydes. Le nom de l'aldéhyde s'est créé à partir du nom de l'alcane correspondant, en ajoutant la terminaison à la fin du nom et en numérotant la chaîne carbonée à partir du carbone portant le groupement CHO. Regardez, c'est-à-dire on va changer an avec al. Exemple, ça, il découle du méthane. Mais attention, on n'indique pas la double liaison. On va indiquer ici la double liaison. Ça s'appelle le méthanol au lieu du méthanol. Il découle de l'alcool méthanol ou bien de l'alcane méthane, mais c'est le méthanol, méthanol. Le deuxième, 1,2-OH, ça, il y a une double liaison, toujours, faites attention. Ça serait le méthane, l'éthanol, parce qu'il y a 1,2. Le troisième, si, il faut chercher la chaîne la plus longue. Voilà, il comporte 1, 2, je vais numéroter 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le méthyl, groupement méthyl. Donc, ça va être 2-méthylbutanal. 2-méthylbutanal. Les cétones. Les cétones sont des composés organiques dont la molécule porte le groupement carbonyl. Donc, il y a aussi le groupement carbonyl, C double liaison O. Donc, ça serait les isomères des aldéhydes, s'ils ont le même nombre, bien sûr, de carbone, liés à la chaîne carbonée entre deux atomes. Deux atomes, c'est-à-dire il n'est pas à l'extrémité. La formule générale des cétones est R1-R2-C, avec R1 différent de H, R2 différent de H. Si l'un des radicaux c'est H, cela veut dire qu'on est sur l'aldéhyde. Nomenclature des cétones. On appelle une cétone par le nom de l'alcane correspondant en remplaçant la terminaison an par on à la fin du nom et en donnant le plus petit numéro indiquant la position du groupement carbonyl parce qu'il est au milieu cette fois-ci dans la chaîne. Ici, n'oubliez pas la double liaison. Il y a 1, 2, 3. Donc, c'est le propanone, ça s'appelle la propanone. Ce n'est pas la peine d'ajouter 1, parce que s'il est à l'extrémité, c'est l'aldéhyde. Mais là, ça va être compliqué. Voilà la chaîne la plus longue. Ça, ce n'est que le groupement méthyl. On va voir ça par la suite. Voilà la première, ça s'appelle propanone. Et je préfère que vous écriviez CH3, CO. CH3. L'autre, ça va s'appeler comment? 1, 2, 3, 4, 5
et 6. Donc, il y a hexane 2 on, parce que l'oxygène 2 est en position 2. Le méthyle est en 4. Et le nombre 6, 6, ça se donne hexanone. Et je vais écrire CH3, CO, CH2, C, CH2, CO, C, CH3, ça c'est H, mais il n'apparaît pas, il est derrière, et CH2, CH3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et voilà le groupement. C'est exact. Caractérisation des composés carbonylés. On utilise la DNPH, test du groupement carbonyl cétone-aldéhyde. Voilà, sa couleur est jaune-rose. Si on ajoute la DNPH à un groupement aldéhyde ou cétone, on obtient cette couleur, que ce soit aldéhyde ou cétone. On ne peut pas distinguer entre l'aldéhyde et les cétones avec la DNPH. Voilà le test obtenu. L'éthanol négatif, c'est-à-dire incolore. L'éthanol positif. Le propanol positif. L'acide éthanoïque négatif. Donc voilà les composés qui identifient la DNPH en prenant cette couleur jaune. Pour distinguer les aldéhydes, on utilise ce qu'on appelle le réactif de Schiff. Il est uniquement pour les aldéhydes. Voilà. Éthanol, éthanal, propanone et les composés dans le, qui existent dans les tubes ici. Ceux donc qui prennent la couleur rose en présence de réactifs de Schiff, il contient un aldéhyde. Voilà le résultat du test. L'éthanol négatif, c'est-à-dire il n'existe pas d'éthanol ici, négatif. Il ne donne pas la couleur rose. L'éthanol, oui, il donne la couleur rose. Par contre, la propanone, même s'il comporte un carbonyl, il est négatif. Donc, le réactif du Schiff, c'est spécifique pour les aldéhydes. Les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, définition d'abord. L'acide carboxylique est un composé organique dont la molécule possède le groupement caractéristique COOH applique groupement carboxyle. De formule, bien sûr, la formule générale, c'est RCOH ou encore RCO double liaison OH. Vous, si vous comptez les liaisons autour du carbone, 1, 2, double liaison, 3 et 4. Donc, il a respecté la tétravalence. Nomenclature des acides carboxyliques. On nomme les acides carboxyliques en ajoutant au nom de l'alcane correspondant le suffixe "-ic", c'est-à-dire "-an", ça va devenir, non, à "-e", on va enlever "-e", et mettre "-ic", précédé du terme acide, précédé avant de prononcer le nom, on écrit acide. Exemple, si vous voyez ici, acide propanoïque, pourquoi? Voilà, 1, 2, 3. Voilà le groupement acide. Donc, acide, il découle du propane 1, 2, 3, propanoïque. Là, la chaîne la plus longue, la voilà. On va numéroter ici 1, 2, 3, à partir du carbone fonctionnel. Ça, c'est le méthyle. C'est pourquoi on écrit d'abord le mot acide, suivi de l'alcane. L'alcane, c'est le méthyle de méthylbutane, mais il faut mettre butanoïque. Même chose ici. On va voir, voilà la chaîne la plus longue. Il y a cette fois-ci deux radicaux. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le pentane. Ça va être enfin pentanoïque au lieu. Mais il y a un oubli ici, lequel? Les deux méthyles, 2, 2, diméthyle. Mais il faut ajouter, attention, le mot acide. Obligatoire. Il faut ajouter le mot acide, c'est faux. Donc, acide. Caractérisation des acides carboxyliques. En présence de l'indicateur coloré comme le bleu de bromothymol BBT, l'acide carboxylique prend une couleur, une teinte jaune. Les solutions aqueuses des acides carboxyliques sont acides, c'est-à-dire un pH inférieur à 7. Les esters. La définition. Les esters sont des composés organiques. Ce sont généralement
des liquides volatiles caractéristiques par une odeur agréable. La formule brute générale des esters est RCW. Ils ont, attention ici, au lieu de H des acides, il y a un R'. Nomenclature. Le nom de l'ester se compose de deux parties remplaçant la terminaison weak par what. Weak, il vient de l'acide. Le premier terme. La première partie se délivre du nom de l'acide correspondant. La deuxième partie, c'est le nom de radical alkyl R' lié à l'atome d'oxygène. Exemple, si vous regardez ce composé, pourquoi on l'appelle éthanoate de butyle? Voilà, ça c'est R. R, ça c'est CO, O, R'. Voilà, R', c'est le butyle. 1, 2, 3, 4. La partie de l'acide, c'est H3CO. Donc, il a 1, 2. Donc, éthanoate. L'autre, butyle, parce que 1, 2, 3, 4. Voilà. Un autre exemple. Pourquoi on va chercher pourquoi il s'appelle diméthyle propanoate de méthyle. Attention, la partie acide, à partir de la double liaison ici, voilà la numérotation. 1, 2, 3. 3 veut dire propanoate. Propane. On enlève le mot acide, mais il y a le méthyle et le méthyle en position 2. 2, 2, diméthyle propanoate de méthyle. Un autre exemple ici, vous avez ici la chaîne principale de l'acide, 1, 2. Ça va être éthanoate, éthanoate parce qu'il y a un 2. De 1, pourquoi 1? 1, 2, méthyle, éthyle. Attention ici, c'est comme s'il y a du groupement, mais principe, groupement principal et groupement secondaire. De la même chose ici, vous avez ici 3, 1, 2, 3. Ça va être propanoate. De 1, méthyle, mais 1, 2, 3, propyle. Et voilà. C'est ainsi que prend fin notre leçon d'aujourd'hui. Et à la prochaine séance.